Allez, au lit. Papa, tu me racontes une histoire? Ok, bon. Alors, un conte de fées. Ah non, pas un conte de fées, ça va être l'horreur. Ah non, 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 mais celui-là, il est très cool. T'inquiète. Ah bon? Bon courage les bambins, on misère, on blâme, on assassine, les contes de fées ça craint. Rivière de larmes, hémoglobine. Il était une fois une jolie petite fille qui se promenait dans la forêt. Ah oui, elle vient d'être abandonnée par ses parents, elle va mourir de faim, c'est classique. Non, non, pas du tout. Elle se balade et marche d'un bon pas car il ne fait pas très chaud dans ce sous-bois. Ah oui, elle va brûler ses allumettes pour se réchauffer mais finira par mourir de froid. Mais non, non, figure-toi qu'elle se rend dans la joie et la bonne humeur chez ses grands-parents et... Bien sûr. Et sa grand-mère est un loup déguisé, elle va se faire dévorer, c'est couru d'avance. Absolument pas, tout va bien. Elle arrive à la porte de la demeure, une maison qu'elle adore. Oui, parce qu'elle est en pain d'épices la baraque. Sauf que sa mamie est une sorcière et va la bouffer, c'est signé. Oh, c'est pénible à la fin. Bon courage les bambins, on misère, on blâme, on assassine, les contes de fées ça craint. Rivière de larmes, hémoglobine. La petite fille toque à la porte et c'est son grand-père avec sa grosse barbe qui lui ouvre. Oui, sa grosse barbe bleue, elle va découvrir les corps de ses précédentes épouses accrochées au mur, je connais. N'importe quoi, l'autre. Non, non, elle découvre avec joie qu'autour de la table, ses deux sœurs sont présentes. Ah oui, ses deux sœurs super méchantes qui l'humilient constamment et la font dormir dans le grenier, je crois. Mais non, sa maman n'est pas là, mais il y a son cher et tendre papa également. Oui, elle va prendre ses jambes à son cou parce que sa maman est morte et son père veut l'épouser. Bah, ça m'aurait étonné, tiens. Non, sa maman est en retard, c'est tout. C'est son anniversaire, enfin. Il y a un gâteau sur la table. C'était une surprise. Oui, et le gâteau. Mais non, non, le gâteau est très bon, hein, et pas empoisonné. Dommage. On misère, on blâme, on assassine, les contes de fées ça craint. Rivière de larmes, hémoglobine. En fin de compte, j'ai fait les comptes. Ce qu'on raconte au bout du compte, c'est souvent pire que tout, c'est à dormir debout. Et voilà, une histoire simple, joyeuse, une petite fille qui va fêter son anniversaire chez sa grand-mère, c'est tout. Ouais, je suis un peu déçu, quoi. T'es déçu, mais tu t'attendais à quoi? Je sais pas, un ogre, un peu de bidoche, quoi. Bah oui, t'as raison, pour s'endormir, c'est impeccable. Bah oui, mais là, pour un conte de fées, t'es un peu léger. Excuse-moi. Bon courage, les bambins. On misère, on blâme, on assassine, les contes de fées, ça craint. Rivière de larmes, hémoglobine, bon courage les bambins. On misère, on blâme, on assassine, les contes de fées, ça craint. Rivière de larmes, hémoglobine. Et par exemple, à la fin, tout le monde meurt. Dis donc, mon chou, là, c'est une obsession chez toi, non? Non, mais... Tu m'inquiètes. Ce serait efficace, quoi, tu vois. Va dormir. Bon, ok. Ah oui, en plus, c'est la fin de l'album, dis donc. Allez, bonne nuit.